penses, le milieu dans lequel le mot existe, c'est-à-dire les contextes socio-économiques qui lui permettent d'exister ou pas. Je m'amuse beaucoup, je m'auto-transgresse et j'essaie de savoir ce qui me définit et non pas ce qu'on attend de moi. Je dirais oui. Mais tout est relatif. Mais en fait, j'ai remarqué que les prisons les plus nocives en tant que femme, c'était celles qu'on intériorisait. Et donc, tout mon travail d'artiste et d'individu, ça a été pour ma part de me libérer de ces prisons. Je pense l'égalité des chances et de l'éducation.